En cette période printanière, l'activité agricole bat son plein dans la campagne provençale. Pourtant, quelque part dans les plaines du centre-ouest du Var et de l'est des Bouches-du-Rhône, un oiseau affirme sa présence avec force, indifférent à ce va-et-vient des hommes et des machines. Cet oiseau, c'est l'outarde canepetière mâle qui chante inlassablement du matin au soir dans l'espoir d'attirer l'attention d'une femelle. Cette année, j'ai suivi cette population d'outardes qui se trouve cantonnée au pied de la Sainte-Victoire. Même si je ne connais pas vraiment le comportement de ces oiseaux, ce sera l'occasion pour moi de savoir si toute cette période de chant se concrétise bien par la nidification et la naissance de poussins. J'ai pu observer 6 mâles chanteurs sur le même secteur, ainsi que 4 femelles. Très vite, avec la pousse des herbages, il ne m'a plus été possible de suivre les oiseaux, les femelles étant devenues totalement invisibles dans la végétation. J'ai donc orienté mon observation sur quelques places de champ où les mâles sont plus visibles, tout en gardant un œil attentif sur ces parcelles-là. Je me suis rendu compte que certains mâles implantés sur un territoire, et bien qu'ils n'aient jamais cessé de chanter, n'ont jamais attiré de femelles, sans doute de jeunes adultes. Il me semble aussi que ce sont les mâles les plus forts et que l'on pourrait qualifier de dominants qui occupent les meilleures places de chant. Ce pourraient être aussi les seuls à s'accoupler.
L'été est maintenant bien installé, le temps des moissons est arrivé. Quelques rôliers opportunistes sont présents pour une nourriture plus facile. L'outarde canepetière a cessé de chanter. Les coupes précoces et répétitives des parcelles ont sans doute grandement perturbé les couvaisons. Dans certaines régions de France, des actions conjointes ont été réalisées par des associations naturalistes et des agriculteurs pour sauver l'outarde canepetière. Cela passe par la création de jachères, mais aussi par des coupes plus tardives sur les parcelles où les oiseaux sont présents. Tout cela pour restaurer un biotope plus favorable. Ici, l'agriculteur a laissé une large bande non fauchée sur toute la longueur du champ. Je suppose que c'est bien pour la protection des nids que cela a été fait. Alors que j'avais perdu tout espoir de voir des oiseaux sur les parcelles fauchées précédemment, ce matin, à ma grande surprise, des mâles se disputent à nouveau ce territoire pour quelques femelles qui sont de nouveau visibles. Cerise sur le gâteau, quelques oedicnèmes criards sont bien présents à cette heure avancée de la matinée. Je décide de revenir ce soir à la tombée de la nuit. Le soir venu, à peine installé en bordure de la parcelle, j'aperçois deux oiseaux qui déambulent dans le champ avec un comportement qui ressemble à une parade nuptiale. Au loin, les oedicnèmes chantent sans que je puisse les voir.
Alors que peu à peu les oiseaux ont déserté les places de chant, je me rends compte, en observant aux jumelles, d'une concentration d'oiseaux au loin sur la grande parcelle. Je tente une approche par la bordure du champ. Malgré une agriculture intensive, le site accueille une faune variée. Après plus de 2 mois passés sur ce territoire, et alors que nous sommes déjà à la mi-juillet, je n'ai malheureusement pas vu un seul outardeau. Déçu, j'arrête le suivi de ces oiseaux pour cette année, en souhaitant de tout cœur qu'à l'avenir, l'outarde canepetière continue de chanter sur les plaines de la Sainte-Victoire.